Le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebbari, a visité ce mardi matin les bassins ouest du grand port maritime de Marseille, de Port-de-Bouc à Port-Saint-Louis, en passant par Fos-sur-Mer. Une visite d'1h30 en bateau en compagnie d'élus locaux, ainsi que du directeur général du port de Marseille-Fos, Hervé Martel. Beaucoup d'échanges sur les projets concernant le site maritime. C'était d'abord un échange avec les élus du territoire, avec le directeur du port, avec le préfet évidemment, sur la transformation de l'outil portuaire autour de la transition énergétique, autour de la capacité à capter de nouveaux trafics, de la décarbonation des activités industrielles, dans un moment où on a su générer des moyens pour le portuaire. On est en train d'essayer de mieux le connecter aux infrastructures ferroviaires notamment, tout ce sujet autour des accès. Bref, on est dans un grand moment de transformation. Et de voir les sites, c'est toujours évidemment beaucoup mieux. Ça permet d'essayer de travailler à la fois l'acceptabilité des projets et puis bien évidemment de renforcer les enjeux de souveraineté et de capacité à agir très fortement dans un environnement qui, vous le savez, est très, très concurrentiel, y compris en intra-européen. Et là, je pense qu'on a un site tout à fait, avec un très très haut potentiel. Le ministre considère que ce port peut être un outil stratégique très important dans le secteur maritime français. C'est vraiment un maillon, pour le coup, stratégique. Hein. Ça peut être tout à fait être l'entrée sud de l'Europe avec l'axe Rhône pour quantité de marchandises et d'activités. Et puis, on a un sujet aussi de démontrer l'exemplarité environnementale du port dans sa transition énergétique. Et là, je parle notamment autour effectivement des sujets de décarbonation et de la capacité à développer des projets ENR et hydrogène notamment. Et ça, on voit bien qu'il y a des attentes, il y a des investissements qui sont considérables et qu'on est dans un moment où l'Europe se dote aussi de beaucoup de moyens avec le Green Deal, avec une approche peut-être un peu moins naïve vis-à-vis de la concurrence internationale. Les différents maires des villes du secteur ont insisté sur des investissements donnant accès aux ports comme à leurs communes. Et parmi eux, le contournement de Martigues et Port-de-Bouc, la liaison Fos-Salon ou encore le développement du fret ferroviaire depuis Miramas. Le ministre a évoqué la nécessité d'accélérer sur ces dossiers qui durent depuis une cinquantaine d'années.